Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de Devil May Cry. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Commençons tout de suite la mission. Ah oui, donc ouais. C'est objet, oui ça je m'en fous. Oui, les charges sont... Ok. Depuis combien de temps vous êtes aveugle et emprisonné ici? Depuis des siècles. Vous savez où vous allez? Je connais le coin par cœur. Oh, oh, oh! Vous êtes cinglé? J'oubliais. Nous voyons les choses différemment. Des perspectives différentes ouvrent de nouvelles voies. Quoi? Comment ça? Vous ne voyez que le mal en moi, car je suis un démon. Mais ouvrez votre esprit. Au fond, c'est une question de perspective. Nous nous retrouverons plus loin. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Ça commence bien, le mec est déjà assez chelou. Aucun problème. Vous êtes un pêcheur. Mais je vais vous convertir en prêcheur. Je passe par là. Hop là. Alors. Je t'entends. T'es... Là. Voilà, va mourir, parce que tu m'énerves. Ok, ça c'est fait. Ah, concrètement, c'est vraiment par là qu'il fallait passer. Bon, bah, je vais passer de l'autre côté alors. Ah! Ah bah je peux pas. Bon, moi c'est fait. Comment perdre du temps? Hop, 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 hop. Toi, je t'ai vu. D'accord. Elle s'appelait Asiel. Une Néphiline. Tout comme vous. Je savais pas qu'il y en avait d'autres. Les Néphilines étaient la troisième race. Malheureusement, ils ont été exterminés. Pourquoi? Ils maniaient le pouvoir des anges et des démons. Mais les Néphilines pouvaient aussi passer librement d'un monde à l'autre. Ils étaient sans égal. Donc ils étaient une menace. Comme moi. Et comme vous, ils avaient un immense potentiel. Quel gâchis. Vous voulez réaliser tout votre potentiel? Asiel détient peut-être la clé. Bon. Allons voir Asiel. Concrètement, il faut... Non, ça c'est l'esquive. Voilà. Surtout ça que je voulais faire. Ah, trop court. Ah bah je l'ai eu quand même. Ouh. Ah bah ouais. Ciel. Non, c'est une sorcière. Non, c'est un putain de démon. Ouah. Thank you.
Oh merde. Excusez-moi, j'ai glissé. Je suis dans l'autre sens. D'accord. Voilà. On va mourir. Oui. Ok. Asiel détient la clé. Mais d'abord. J'aime pas les araignées. Alors, donc on a dit Asiel détient la clé. Hop. On a un chien. Alors. Je l'ai. Forcément. Comment tu connais mon nom? Nerf antique. Alors voilà lui. Bon, voyons ce qui se passe. Voyons ce qui se passe, ben, strictement rien. J'avais pu entendre une âme perdue. Bonjour, je viens de péter la gueule. Arrête de jouer avec mes lacets, toi. Quelle dissidence. Oh, il bouge. Enfin. Dante, tu es ici parce que je n'ai pas pu te protéger. Crois-moi, j'en suis vraiment désolée. Ton père est tombé amoureux de moi. C'était un amour qui transgressait des lois inflexibles et antiques. Nous avons choisi cette vie malgré l'annihilation certaine. Même si nous ne l'avons jamais regretté, nous ne t'avons jamais laissé le choix, mon cher fils. Mais à présent, c'est à ton tour de choisir. Ta puissance sera exceptionnelle. Et cette puissance te permettra de forger ton propre destin. Ouais. C'est ça, la liberté, mon fils. Amen. Sois fort, mon fils. Je t'aime tant. J'aurais quand même pu la faire un peu moins vague. T'es pas humain, toi, hein. C'est le succès que je viens de débloquer. Être plus 3. Au sol et en l'air. Activez le diabolisme. Nouvelle capacité diabolique. Débloquer, pardon. Diabolisme. Une manifestation du véritable pouvoir dedans, lui accordant une puissance, une résistance, une résilience accrue. D'accord. Ouais, on a testé ça. J'étais sûr. Diabolisme, la jauge. Une fois le seul minimum atteint, on peut activer le diabolisme. Ha ha.
Ok. Hop là, ça c'est fait. Tu ne te souviens pas de moi. Dante. Ah oui, la tour. Je suis parti. Oups, j'avais oublié, excusez-moi. Ok, je vous récupère tout de suite. Hop, hop, hop. Mourez, bande d'araignées. Non, j'ai pas de problème avec les araignées. Je déteste juste cette machine. Oh non, c'est pas possible. Voilà. Ah, je t'ai raté. Ta face, voilà. Ok. Ah, j'ai besoin de points de vie en plus. Là où il y a des points de vie, là c'est là d'où je viens, donc c'est là-bas. Hop là. Non, j'ai pas besoin, merci. Ah, pourquoi elles fuient? Parce qu'elles savent que je vais les exterminer à coups de pistolet. Oh là là. En face, je dirais. Parce que de toute façon, c'est là d'où je viens. Oh, oh, j'ai failli y passer. Ok, next. Je sens qu'il y en a un qui est pas loin. Ah, je savais bien que t'étais pas loin. Mais comment je fais concrètement pour t'avoir? Ah, bah pas comme ça.
Ah bah. On a raté. Ah, vous me gavez. Ridicule. C'est pas possible, mais foutez-moi la paix. Ah sérieusement, sans lourd. Toi t'es casse-couille. À mourir. Ah merde. Il va finir par me tuer, hein. Tiens. T'as sauvé la vie en plus du con. Oh oui. M'a raté. Oh bon. On prend les mêmes et on recommence. Oui, on continue. Ouais, je m'en fous. Je suis un godin. Ah, les meilleurs, c'est connaître. Oui, oui, c'est bon. Ah, faut que je me retape. Sérieusement. Dégage, voilà. Toi, c'est une fée. Yes. Dégage, voilà. Tiens. Toi, meurs.
Et t'arrêtes d'être chiante. Ah, c'est lourd. Non, fais pas le con. Ah, j'ai l'air plus. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Voilà. Ah, on a un chien. Ok, ça c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Bon, c'est bon. Ouais. Non, il va mourir en fait. Une porte, super. Ah, pour utiliser la clé. Ouais, j'utiliserai ça quand je referai le jeu, je pense. Concrètement, je pense qu'on peut aller par ailleurs. Non? J'ai rêvé. Ah non. Ah, ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Mais attendez. Voilà. Tiens. Tiens, va mourir toi. Hop. Hop. Tombe pas dans le trou cette fois, ce serait cool. Merci. Et je vous récupère de l'autre côté. Ah, j'adore embêter mon chat. Voilà. Je vais jusqu'à la fin du chronomètre. Chaque ennemi tué rend la vie à Dante. Ok. Ok. La 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 la. Oh, il y a un taré psychopathe. Vas-y, ils font la danse de la danseuse. Ils sont chiants ceux-là. Ah bah non, je suis mort de vieillesse. Ah, il faut voir parce que j'ai fini ce truc. Ah.
Ah, désolé, je suis un peu concentré. Vas-y dans ces étoiles. Ah, ça fait très mal ça, on va éviter monsieur. Ah, ça fait deux fois là. Oui, désolé, tu ramasses tous les autres. Quoi ? Il sort d'où, lui ? Ok, on va annuler, hein ? On reviendra un autre jour, ici. quitter la mission secrète. Voilà. On va quitter ça. Je ferai ça un de ces quatre. C'est hardcore quand même. Attends ma puce, bouge pas. Voilà. Ça c'est un toc dans le mur ma puce. Arrête. Eh c'est violent. Hein. Ok, bon, je reviendrai un de ces quatre. Hop. Hop. Ouais, donc à mon avis c'est par là. Ok. Incroyable. Par ici. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez révélé votre démon intérieur, mais il vous reste à découvrir tout votre potentiel. Je veux juste tuer un roi démon appelé Mundus. Et si vous tuez Mundus, Gabe prendra sa place ? Hmm. Bon. Voilà, voilà. C'était pas fameux hein, ce soir. Ouais, ouais, je sais. C'était merdique. Moi, ça va assez quand même. J'aurais dit pire que ça, moi. Ok. Et bah, sur ce, les amis, je vous dis au revoir pour l'épisode 9 et à bientôt pour l'épisode 10. Ciao, ciao.